concernant la mise en place d'une infrastructure qualité aux standards internationaux, qui est l'objectif fixé par le ministère, nous avons fait des pas importants. Et la question, le thème d'aujourd'hui, c'est quelle infrastructure qualité pour accompagner le plan d'accélération industrielle. Mais avant d'y arriver, regardons ensemble un instant qu'est-ce que nous avons parcouru à date. Le système de normalisation a été mis en place, et l'Imanor y a travaillé fortement, avec 1524 certifications à fin 2016. C'est un chiffre intéressant qui nous positionne comme premier pays au niveau du Maghreb. Bon, il faut se réjouir et très rapidement se ressaisir en disant que le chemin à parcourir est encore très long. C'est pas mal, c'est bien d'être premier au Maghreb, mais ce n'est pas notre benchmark que nous souhaitons en permanence. Nous souhaitons aller au-delà. Monsieur Moulef Lalami, ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique, président de l'Union marocaine pour la qualité. Merci, bravo. Alors, bravo. Bravo.